Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions, comme par exemple le jeu Street Fighter 6 qui est à seulement 39,32€. Et il en va de même pour les cartes PSN. La carte 50€ est à seulement 43,89€. Et si vous voulez encore plus de promotions, eh bien la carte 100€ est à seulement 86,99€, quasiment 13€ de remise. Alors n'hésitez pas à vous faire plaisir. Encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah! Yo tout le monde, c'est Fanny Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ou pour des invocations, mais cette fois-ci sur le compte de mon fils Aïssa. Comment vas-tu? Ça va très bien. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, toujours là à fond. Alors, il voulait absolument invoquer sur Kid Buu Ultra. J'avais dit, écoute, t'as 10 000 cristaux. Si jamais tu atteins beaucoup plus de cristaux, et là, en l'occurrence, il a 13 843. J'avais dit, vas-y, pourquoi pas, tu pourras essayer de te faire plaisir sur le Kid Buu. Et pourquoi tu voulais Kid Buu? Parce qu'il est incroyable. Voilà, il a dit parce qu'il est incroyable, il le voulait, etc. J'ai dit, bon, il est là jusqu'au 14 août. Vas-y, c'est parti. Et il va essayer de se faire plaisir pour invoquer. Alors, sachez que cette vidéo, elle est tournée un petit peu en avance parce que avec Ludivine, on est en vacances. D'ailleurs, n'hésite pas à aller te follow à mon compte Instagram. Le lien est dans la description de cette vidéo. On balance des stories, etc. Donc, n'hésite pas. On est parti à l'étranger. Donc, n'hésite pas à nous suivre. Est-ce que toi, tu es prêt? Oui. Ouais, tu veux absolument Kid Buu? Oui. Ouais, il fait comment? C'est une dinguerie. Bon allez, vas-y, let's go, les amis. Max de pouces bleu en mode Genkidama. Let's go, fais-toi plaisir. 3, 2, 1. Ok. Ok, c'est parti. Allez, il veut l'ultra Kid Buu. Par contre, si jamais il a l'ultra Kid Buu, alors il a déjà eu l'ultra de Vegito Blue. Il a eu Gogeta Blue Ultra également. Et le tag. Le tag, LF également. Oh, Sparking. Enfin, bah, de toute façon, c'est Sparking garanti, je crois. Et là, si jamais il aurait le Kid Buu Ultra, ça serait absolument incroyable. Et c'est faisable, hein. Après, s'il y a animation Trunks ou Badak, ça le garantit aussi, hein. On n'oublie pas. Ok. Ryuken. Ryuken, peut-être. Non, pas de Ryuken. On va voir. Alors, si on voit la grosse sphère bleue arriver. Ah là, incroyable. Hein. Si ça arrive, masterclass. Ok. Cyberman, ok. Freezer, ok. Sparking. Gotenks. Oh, c'est pas ouf, hein. Oh, tu l'as pas? Ouais, Goku, ouais. C'est pas foufou, hein. Ouais. Oh, tu l'as pas? Self-forme parfaite, qui est Zenkai maintenant. Ouais. Bon, t'as eu 3 Sparkling, mais c'est pas foufou. Ouais, c'est pas Kid Buu. Voilà. Toi, tu veux Kid Buu Ultra, toi? Oui. Voilà, bon, voilà. Ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche, il a dit. Voilà. Ça, cuisine. Tu vois ce que je veux dire? Toshi, il a dit, ça il s'en fiche. Lui c'est Kid Buu Ultra qu'il veut. Allez, allez, hé, là c'est Toad quoi là? Toad Ultra x2. Toad Ultra x2. J'espère que là il tombe. Allez, let's go. Les montagnes? Ah, oui. Ça serait bien. Et glisser arc-en-ciel. Et glisser arc-en-ciel, pourquoi pas? Vas-y, let's go. 2, eh oui mon garçon. Ok, c'est parti. Allez, let's go. Voyons voir. Sait-on jamais? Il a demandé les montagnes. Bah Toshi, montagne, glisser arc-en-ciel. Vas-y. Vas-y bonhomme. Eh ouais. Donne-lui un peu au gamin. Bah ouais. Toi tu lui donnes la plaie de la Hesse. Vegeta Blue. Vegeta Blue. Alors, c'est mieux que le Vegeta SSJ. Par contre, je sais pas si ça garantit l'ultra ou quoi. Je sais pas du tout. On va voir. Peut-être ça peut tomber. Ah bah ouais, peut-être qu'il peut tomber. Vegeta number one. Ok. Sphère bleue ou pas? La grosse sphère bleue ou pas? Ok. Piccolo Daimao, ok, transfo. Oh, tu l'as! Mais non, incroyable! Non, c'est incroyable! C'est incroyable! Son voilà compte... Voilà! Incroyable! Son compte est incroyable! Dès qu'il y a un ultra, il le chope. Mais c'est incroyable! Alors là, tape là. Ah voilà, là mon pote là, c'est incroyable. Oh là là. Bon bah, voyez les amis, hein, c'est facile Dragon Ball Legends, tu vois. Quand, encore quand j'ai vu Vegeta Blue, j'ai dit à mon avis, ça peut sentir bon, mais j'étais pas sûr de moi, tu vois.
Bah là, voilà, bah là, en c'est... En plus, 3 capsules Vegetablu. Grave, 3 capsules Vegetablu sur la planète de la Hesse. Oui. Donc là, voilà. Vas-y, continue. Tiens, encore. Freezer. Ok, bon bah, hé. Hey. Non mais là, franchement... Il est tombé, c'est Master... Hé, hey, la Mucci, elle est bien. 3 Sparking plus l'Ultra. Elle est masterclass, la Mucci. Hein. Tu t'es fait plaisir, là. Oui. Tu vois, tu le voulais, tu l'as eu. Voilà. Bon, on va continuer à invoquer quand même pour finir le cycle. Imaginez-vous, il rechoppe une deuxième fois. C'est possible, hein. Ah non, mais c'est possible avec ce gamin. Hein, voilà, c'est... Tu vois, tu vois ce que je veux dire. Bon, et eh ben vas-y, fais-toi plaisir. 3, 2, 1... Ok. Ok, c'est parti. Ok, je allez. Veux qu'il retombe. Tu veux qu'il retombe? Ah oui, monsieur est gourmand, hein, parce que voilà, non, il le veut en doublon. Bon, déjà, c'est déjà bien, là, franchement, tu l'as eu. Et là, il peut faire des teams de fou furieux. Oh, on a un mec en feu. 5 capsules. Imagine, il y a Badak qui arrive. Badak. Bon, pas c'est Badak. Pas Badak. Par contre, attends, ça peut être lourd, hein. Vas-y. Il peut encore tomber. Ouais, ouais, il peut encore tomber. Ok, c'est parti. Ça peut encore tomber, hein. Oui. Franchement, ça peut encore tomber, les amis. Hein. C'est un délire. C'est retombé, il passe à 3 étoiles. 3, ouais, de ouf, 3 étoiles. Non, non, il est déjà à 5 étoiles. S'il retombe, il passe à 8 étoiles. Et moi, je répète comme un teubé. Oui, 3 étoiles. Non, non, là, c'est pas... Voilà, là, en fait, sur les ultras, tu chopes directement le personnage à 5 étoiles. Et si tu l'as encore, il passe à 8 étoiles. Les PZ sont boostés. Là, c'est bien. Oui. Ah bah, là, il va dire oui. Voilà. Lui, il pensait, voilà, c'était les 2 étoiles, tu vois. Ok. Oh, tu l'as pas. Beerus. Il est pas mal, quand même, ce Beerus. Franchement, c'est pas mal du tout. Franchement, ouais, ouais. C'est un Sparking, mais c'est Beerus. Alors, c'est un Sparking, mais tu sais, t'as les Sparking qui sont revive, qui reviennent avec une barre de vie. Tu sais, tu me dis, ah, je fais, il reprend une barre de vie. Et bah, lui, en fait, Beerus, quand il tue un perso qui doit revenir, justement... Et bah ça l'empêche en fait. Il l'empêche de reprendre sa barre de vie. Il est mort pour de bon. Ça c'est bien. Hein, oui. Voilà, donc bon, c'est déjà pas mal. Eh ben écoute, prépare-toi. 3, 2, 1. Ok, c'est parti. Allez, let's go. Voyons voir ce que ça va donner. Imaginez-vous, il refait tomber. Animation de ouf, ça serait bien. Incroyable. Ah bah c'est sûr que ça serait incroyable. Dire que c'est déjà incroyable qu'il l'ait fait tomber comme ça. En plus, il voulait, hein. Long chargement. Long chargement, très long chargement. Très très long chargement. Alors ça là, ça peut être du lourd. Ça peut être du lourd. Très très long chargement, wesh frère. C'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui lui arrive le jeu là, Toshi là, il a dit hop. Il y a un bug. Là, Toshi là, il a dit oh là 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 là. On est en train de lui balancer trop de bons persos. Faut arrêter. Non mais là, long chargement frère. C'est une dinguerie. Parce que, hé, hey, t'as eu Vegetablu Ultra. Gogetablu Ultra. Kidbu Ultra. Le tag LF, il y a tout qui tombe sur son compte. Par contre, la chargement... Frère, Toshi, allô. Allô, allô. Là, ça bug, là. Ouais. Dis-lui, Toshi, là. Toshi. Toshi. Ouais, il a fait comme ça, Toshi. Ah ouais, là... Je crois que ça a planté. Ah ouais. Bon, bah, on va devoir redémarrer... Le jeu, je crois. Ouais. C'est... Voilà, tu vois Dragon Ball Legends ? Voilà, bravo. En pleine vidéo. Vous le voyez ? Voilà, des fois, on me dit, Soso, je comprends pas, moi, ça a planté, etc. Bah, regarde ! Même moi, ça plante ! Tu vois ce que je veux dire ? Bon, vas-y, hein. On peut relancer, hein. Ouais, oui. On va relancer, parce que là... Ça fait n'importe quoi. Ouais, exactement. Allez, on relance. C'est parti. On va relancer. On va relancer, let's go. On est obligé. Bah, ouais, y a pas le choix. Vas-y. On va voir. Alors, je crois que normalement, ça a dû lancer la multi-invocation. Je pense qu'il y a dû avoir la multi-invocation. Je crois que les personnages, ils doivent être... Ça doit déjà être présent dans le jeu. Donc, il va peut-être falloir qu'on aille voir dans l'historique ce qu'il y a eu. On va aller voir. S'il est toujours au palier numéro 4, ça veut dire qu'il faut lancer la multi. S'il n'est plus au palier numéro 4, qu'il est revenu au palier numéro 1, c'est-à-dire que la multi a été prise en compte. Donc du coup, il va falloir qu'on aille voir, il a eu quoi comme personnage. Ok, vas-y, fais voir. Alors attends, palier numéro 1 ou pas? Ouais, palier numéro 1. Donc ça veut dire que là, du coup, la multi, elle a été faite. Alors attends, comment on fait déjà pour voir la multi là? Est-ce que c'est dans objet? Je sais même plus, c'est dans quoi? Ticket de tirage.
Non, c'est pas là-dedans, je crois. C'est dans quoi déjà qu'on voit les personnages? Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Voilà, on va pas se casser la tête. De toute façon, t'as ces petites boules ultra que tu veux. Vous me direz dans l'espace commentaire, les amis, hein, je me souviens plus. C'est dans quoi qu'on va voir les derniers tirages qui ont été effectués. Voyons voir. Bon, t'as pas eu le clic-bout parce qu'il est que 5 étoiles. Donc tu l'as pas refait tomber. Voilà. Mais par contre, c'est quand même pas mal. Hein. T'as 3 bons ultras là. Là, tu mets clic-bout en leader. Et après, tu mets VB et Gogeta Tableau Ultra. T'as une team de fou. Tu rajoutes également le tag, etc. Waouh, incroyable. Donc, ok. Eh ben, écoutez, les amis. Voilà. Il a fait tout simplement. Sa vidéo invocation, il a voulu. Il m'a tanné, franchement, avec ce petit bulltra. Il m'a dit, papa, s'il te plaît, je le veux, etc. J'ai écoute, le mieux, c'est que tu gardes au moins 10 000 cristaux de côté, tu vois. Il y a le Legends Festival qui arrive dans 3 mois, etc. Faut pas que tu gaspilles n'importe comment tes cristaux. T'es en mode free to play. Essaye de dépasser les 10 000. Essaye d'avoir au moins 13 000. Quand tu auras les 13 000, eh bien, écoute, si Kitbou est encore présent, tu pourras tenter d'aller invoquer dessus. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a bien fait. Parce qu'il a fait tomber le kit bout ultra dans cette vidéo, c'est ouf. Voilà les amis, max de pouces bleus en mode Genki Dama. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas également à vous abonner en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et puis bon, bah toi t'es content. Oui. Ouais, voilà, bah tu peux leur dire à la prochaine. À la prochaine. La passion passe après les... priorités. Ciao. Hey les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek. Kamiya.